Savez-vous que j'ai des droits dans le monde, dans le monde? Savez-vous que j'ai des droits, moi qui suis un enfant? Parole d'enfant. Parole d'enfant. Parole d'enfant. Les enfants aussi ont des droits. Les droits de l'enfant. Parlons-en. Alors les enfants, c'est quoi vos droits? J'ai le droit de jouer. J'ai le droit de faire du sport. D'écouter. J'ai le droit de me nourrir. Le droit d'être protégé. Le droit de la liberté. Le droit d'avoir un nom et une nationalité. Le droit d'avoir une maison. On a le droit de coller des papiers. J'ai le droit d'avoir un nom et une nationalité. J'ai le droit de vivre en famille et d'avoir une maison. Parole d'élu. Parole d'élu. Parole d'élu. En tant qu'élu, quel intérêt d'évoquer le thème des droits de l'enfant à l'accueil de loisirs sur ses vacances? Les enfants n'ont pas tous les mêmes chances en fonction d'où ils vivent sur la planète. Donc le but de ces 2 semaines autour de ce thème est de rendre les enfants acteurs de leur séjour et surtout qu'il y ait une ouverture d'esprit pour l'avenir et, espérons-le, de partager ces valeurs fondamentales avec leurs proches. Enfin, que le pays des droits de l'homme devienne le pays des droits de l'enfant. J'ai le droit d'être nourri et d'avoir une opinion. J'ai le droit d'être protégé, protégé contre la guerre. Parole d'animateur. Parole d'animateur. Parole d'animateur. Durant la semaine, nous avons découvert des droits avec les enfants. Les droits de l'enfant en centre de loisirs me paraissent évidents puisqu'ils sont toujours en toile de fond. C'est vrai que là, c'est la première fois qu'on fait un gros plan sur les droits de l'enfant en abordant cette thématique sur 2 semaines grâce au concours d'affiches Agis pour tes droits. Nous avons organisé un débat afin de découvrir les droits que les enfants connaissent. Nous sommes rendus compte qu'ils en connaissaient énormément, dont le droit de s'exprimer librement et d'avoir une opinion. Nous avons pu observer, notamment chez le groupe des petits, que le droit d'avoir une maison, une famille, d'être nourri et de pouvoir jouer sont ressortis. Alors cette semaine, au centre de loisirs, nous avons créé 2 pièces de théâtre portant sur les droits de l'enfant. La première traite sur le droit à la protection contre la violence et le deuxième sur le droit à la différence. Nous, avec les petits, on va faire un grand jeu de loi en rapport avec les droits de l'enfant afin que les enfants apprennent de nombreux droits qu'ils possèdent et les différences dans d'autres pays tout en s'amusant. Et on a découvert la richesse d'expression, la richesse de parole des enfants, leur implication. Nous avons donc réalisé une affiche sur le droit d'avoir une maison avec de l'encre et des collages. Nous avons organisé des commissions permettant aux enfants d'aménager et de décorer le centre comme ils le souhaitaient. Nous avons aussi créé une infirmerie avec un grand responsable par jour pour traiter le droit d'être soigné. Travailler sur les droits de l'enfant a permis de découvrir tous les droits des enfants qu'on ne connaissait pas forcément. En fait, on connaît, on se doute des droits, mais enfin, la charte et tout ça, c'est complètement différent de ce qu'on pense. On les applique sans forcément les connaître. Avoir le droit d'avoir une nationalité et une identité différentes. Cela a permis aux enfants de se responsabiliser et de répondre à leurs droits, qui étaient de s'exprimer librement, que ce soit par la parole ou par des actes. Voilà, c'est super intéressant, super enrichissant de voir les enfants s'investir et même pour nous. Être à l'écoute de chacun et de se respecter, tout en s'exprimant et en rigolant. Que même pour les enfants, savoir qu'ils ont des droits, ça leur permet de plus s'impliquer dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'était important de faire un arrêt sur image et ça nous a permis de balayer vraiment les droits de l'enfant et de pouvoir rebondir et leur permettre de s'impliquer à 100%. J'ai le droit d'aller à l'école, que je sois garçon ou fille. J'ai le droit d'être soigné, mais pas d'être exploité. Micro-trottoir. 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 Savez-vous que les enfants ont des droits? Oui, 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 oui. Lesquels? Eh bien, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de, je sais pas, à vrai dire, c'est tellement vaste, ils ont les droits presque identiques aux adultes, sauf qu'ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas, ils ont besoin d'autorité parentale pour agir. Lesquels? Le droit de dire ce qu'ils pensent déjà. L'éducation. Ah, lesquels? Grande question. Comme les adultes. Ce que vous êtes en train de faire aussi en répondant à nos questions. Où en avez-vous entendu parler? À la télévision, par exemple, dans les journaux. D'où nous on vient, on sait que la municipalité a une... Il y a un conseil municipal des enfants. On habite, on habite près de Paris.
Voilà. Et la ville où on est, il y a un conseil municipal des enfants. Donc, il y a les droits, ils ont des droits, et ils expriment leur... Leurs idées à ce conseil. C'est soumis à ce conseil et puis c'est voté, voilà, et c'est approuvé par la mairie, je pense. Voilà. C'est le même principe que les grands, mais c'est les enfants. Comment j'en ai entendu parler? J'en ai entendu parler parce que je me suis pas mal occupée d'enfants, parce que j'étais éducatrice spécialisée auparavant. Donc j'ai beaucoup respecté les droits des enfants et aussi j'ai fait en sorte que les enfants sachent qu'ils aient des devoirs. Et par rapport à cela, je pense que les enfants, faut qu'ils jonglent avec les droits et les devoirs qu'ils ont. Parce que j'ai des enfants moi-même, parce que j'ai été enfant. On n'avait pas, c'était moins médiatisé que maintenant, mais nos parents savaient reconnaître nos droits aussi et nous respectaient. Et puis j'en entends parler aussi à la radio. On entend beaucoup à la radio, à la télé, etc., dans les journaux, dans les médias. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler votre prénom, s'il Geneviève. Vous plaît? Geneviève. Alors, je m'appelle Monique. Jean-Jacques et Brigitte. Mélie. Merci beaucoup. J'ai le droit d'être différent, couleur, langage, handicap. J'ai le droit de m'exprimer, d'être aimée